Et bonjour à tous, c'est Matt du 29 et donc on se retrouve ce vendredi matin pour tout simplement continuer notre petite série sur la Old Season Map 15 version 2 sur Farming Simulator 15. Allez, c'est parti, on va démarrer donc la course de la machine. Du coup, j'ai refait les courses. Donc celui-là, on peut du coup remettre le transbordage du champ 30 et démarrer celui-ci. Ok, je vais aller tout seul. Il y a la weed au milieu du... Bah, il y a du... Il y a ce qu'on appelle des mauvaises herbes au milieu du champ, mais bon, c'est pas grave. Du coup, celui-là, je l'ai relancé. Celui-ci, normalement, j'ai refait la benne, donc c'est la champ... le champ 30. Donc je fais ça et je mets démarrer. Oh. Tu me fais quoi toi? Mais c'est quoi son problème hein? C'est pas possible. Ouais, merde. Bah attends. Je vais le faire aller celui-là, je vais le faire. Hop. Comme ça. Ils vont se suivre, mais il y en a un qui va aller se ranger. Je vais peut-être prendre celui-ci. Voilà, je vais le relancer. Comme ça, il va aller tout seul. Donc, il va aller se ranger là où il doit être, là où il doit partir pour se vider. Par contre, ici, j'ai refait la course pareil. Donc, c'est le champ 25. Donc, je lance la course. Par contre, je mets la moissonneuse qui est là. Grimaxtron 620. Démarrer course. Et donc la grime, elle est ici. Donc c'est betterave sur 25. Par contre, je vais déplier. Démarrer. Non, pour déplier. Je crois que c'est notre souci. Ah non. Ah, je suis con. Par contre, on va pouvoir démarrer la course. Et donc, quand celle-ci sera à 50, donc normalement, cela se gère tout seul. Par contre, ce qui ne se gère pas tout seul, c'est celui-ci. Il attend, du coup, que le transbordeur arrive. Le transbordeur, il est où? Normalement, il est en train d'attendre. Il est là. Par contre, ce que je vais faire, je vais peut-être plus de place alors dans la benne. Elle est remplie. Il y a du blé à 100%. Donc ce que je vais faire par contre, je vais lui mettre celle-ci. Voilà. Bon, sinon il viendra pas vider si je le mets pas à la moissonneuse comme machine manuellement. Ok, donc normalement il doit pas tarder à arriver. Et je continue à faire... Ouais, c'est vrai que je devrais aller des véhicules à l'autre à pied, mais bon, c'est vrai que ça serait un peu long quand même. On va dire qu'on gère la ferme comme ça et puis c'est tout. Alors pour l'instant on n'a pas d'animaux, donc le menu à droite avec la petite croix, c'est tout simplement qu'on n'a pas accès aux animaux. Not found object for slow, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'animaux pour l'instant. Donc ici, pour l'instant j'ai pas ça. Donc ça c'est tout ce qu'on peut avoir en plus sur cette carte, donc c'est-à-dire... par contre c'est comment déjà? Je crois que j'ai mis N. C'est comment la vache? La bâche. Parce que je crois que j'ai... Ah, j'ai peut-être pas remis. Alors, en fait, ce qu'il faut faire aussi... On va faire ça et on va enlever la... J'aimerais bien enlever... Voilà. La bâche, c'est quoi déjà? C'est...
18. Non, alors j'ai pas dû remettre. Voilà, donc on va activer avec la touche N qui permet tout simplement d'activer le vidage sur cette machine. Donc une fois que la moissonneuse sera à 80%, elle recommencera à faire. Okay. Donc il y a le remplissage de la machine, il y a le commandeur sans doute. Pas du tout. Alors ce qui est bien avec le mode du Drive Control, avec la Alt GR, on peut avoir simplement à une calice, donc on voit que on se plie ici et qu'il ira très prochainement se vider quand la remorque sera là. Alors je sais pas si elle revient parce qu'elle est pleine. Ah oui, c'est vrai que celui-ci. Voilà, il faut sélectionner son vidage sur ces bennes là. C'est un inconvénient avec le course play, mais bon, c'est pas grave. Maintenant que j'ai sélectionné, de toute manière, il videra. Mais la course est tellement bien faite que il vient vraiment là à la ferme. Ok, c'est très bien. Donc celui-là, il repart. Et puis notre ami celui-ci, bah, il patine forcément. Autant patiner jusqu'au bout. Alors, ce qu'on va lui faire, c'est lui mettre la WD. Oh purée. Voilà. Donc du coup on va le mettre là en attente. Et puis la machine partira. Et dès qu'elle sera à 50%, mais du côté où il n'y a pas la culture, lui ira la vider. Donc cela se gère tout seul. Du coup, en champ de betteraves. Il nous reste combien de champs de betteraves? Aucun. C'est le dernier. Donc après, je rends. Donc je fais en sorte de rendre la machine. Par contre, je vais peut-être prendre une natte moissonneuse pour faire plus de trucs. Ça serait peut-être plus sympa. Ouais, mais bon, après, ou alors, ce que je ferais, c'est... Non, bah non, j'ai pas les champs, et puis bon, de toute manière, c'est pas grave, tant pis, ils sont rouges, hein, c'était les champs de maïs, mais bon, y a plus rien dessus. Bah, c'est mort, quoi. Ok, donc lui, il fait son petit demi-tour là-bas, donc il a quasiment fini. Alors, celle-ci... Elle est à 93, mais bon, elle attendra que. Qu'on verra quand la machine sera vide. Donc, bien sûr, j'ai le Chopestro sur carte et il est pas mal. C'est vrai que le mode est pas mal. Donc, ça, c'est une des dernières élections que j'ai trouvées, mais bon, après, voilà. Celui-ci, ils sont en train de se croiser. Alors, ce que je vais faire, on va attendre que le tracteur aille faire son petit demi-tour pour que ce soit plus facile pour solliciter les. On attend qu'il soit bien. D'attente, c'est celui-ci. Ouais, non. Je vais le faire moi-même. Oh putain, c'est pas possible. Hop, donc je vais jeûner. Donc, comme j'ai refait la course, normalement c'est bon, mais bon, là, vu qu'elle est intimidée, c'est l'autre, elle a remorque là. Hop là, donc du coup il va aller tout simplement se mettre à côté et vider ce qu'il a dedans. Donc normalement il y a tout qui se vide, ça c'est formidable. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? Celle-ci elle a fini ou pas? Non, en fait elle s'est pris. Oh ouais.
D'accord, elle s'est pris dans les branches, dans les arbres qui sont sous la carte ici. Oh, bah, j'ai bien vu ce qu'il y a, à mon avis. Tant pis, je sais pas avec ce qu'il y a. Argent. Voilà, j'ai quasiment tout avec le. Comment ça s'appelle? Avec le. Déjà avec le. Avec le maïs, alors. Donc on va vider ce qu'on a ici. Ouais, mais c'est con ça. Ah, attendez, il reste tout là. Oh. Je vais. Que je peux ici. Et puis après, donc on arrêtera la course, je la supprimerai. Et la machine, non, je la rendrai. Bah, je la restituerai tout simplement de la location. J'enlèverai le monde du coup ici. Je fais ça. Je vais juste éteindre le temps d'aller emmener l'autre. Pour qu'il aille se faire vider, parce que là il a l'air d'être perdu, le pauvre petit. Ça c'est quand il va trop vite. Bon. Donc lui. Je vois que le transbordeur est arrivé, donc du coup, on va tout simplement attendre que celui-ci. Que la vis arrive en, qui arrive en dessous, donc voilà, c'est fait, c'est reparti. Ok, très bien. J'espère tout simplement qu'on va pas perdre tous nos champs, parce que sinon ça va me faire mal. Alors, du coup, donc je vais pouvoir déjà. Une fois qu'on aura fini avec le champ 25, c'est rapporter, donc rendre la Maxtron que j'avais loué. Et rendre le champ numéro 25 pour celui qui voudra le prendre. Sachant qu'on a. Après on verra qu'est-ce qu'on pourra s'acheter comme champ. Non, ça plus tard. Donc on va attendre que le transbordeur il, donc il attend que le transbordeur fasse son petit trafic là et soit arrêté complètement avant de repartir. Allez, c'est reparti. Du coup, il y en a un qui est bloqué encore. Bien sûr. Oui. Donc normalement, il va réussir à vider normalement sa betterave là où il faut. Alors je sais pas si je mets ou pas une autre moissonneuse, une deuxième moissonneuse et une deuxième remorque avec du coup un deuxième transbordeur ou si je fais autre chose. Alors c'est vrai que c'était mieux structuré dans l'ancienne carrière. Hein. Mais bon. Ah c'est pas beau ça. Ah, il fait une bonne marche arrière j'espère. Non, pour moi, là, il se prend la... Non, c'est bon. Oh, purée, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Et hop, allez, c'est parti. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire... du coup, ça, c'est bon. Ok, donc il retourne jusqu'au champ. Et puis, on va... Donc, du coup, je viderai la remorque moi-même, par contre, plus tard...
Et ce qu'on va faire, c'est peut-être. Et après, parce qu'à mon avis, le transporteur va pas tarder à arriver, je sais pas où il est d'ailleurs. Ce serait bien qu'il arrive. Ça serait bien qu'il arrive. Il en est où? Il arrive. Vite, mais il arrive. Alors du coup, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, on va attendre que celui-ci arrive. Ce que je vais lui faire ici, c'est tout simplement aller me mettre en dessous, donc de la remorque ici. Donc on va vider ce qui reste de là. Je vais replier celle-ci. Replier ces trois, non? Ouais, voilà, c'est ça. Je replie donc ici l'arracheuse à betterave. J'appuie sur K. Alors attendez, je l'éteins. C'est bon, les replier? Donc je descends du véhicule, j'appuie sur K et là je fais restituer. Donc ça nous coûtera 140 euros pour 140 litres de gasoil. Voilà, donc du coup la machine est restituée. Et donc du coup ce tracteur je l'utiliserai mais pour autre chose. Donc j'arrête. Et ici... On va donc du coup supprimer la course. Je vais aller vider ce qui reste de la moisson du champ 25. On va aller vider tout ça ferme principale. Enfin, du moins à la ferme, il n'y a qu'une ferme ici. Et puis je vois qu'est-ce que je vais faire avec la gel. Hein. Donc du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà mettre les gyros. Alors soit celui-ci ou cette remorque, ou alors avec une moissonneuse j'aurais pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une deuxième moissonneuse que je mettrai donc sur les champs, au colza ou autre, on verra. Donc du coup je vide celle-là, du moins ce qui reste dedans. Allez, on fait notre petite manœuvre. Oh purée. Oh c'est chiant ici. Bon, en fait, il faut réussir à viser le. À manœuvrer pour arriver jusqu'à là et vider. Alors, dégage. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais peut-être prendre quand même une moissonneuse qui permettra de faire d'autres champs. Donc, du coup, que j'oublie pas. Champ. Le 25, il est où? Le 25, il est là. Cancel. Du coup, on va faire le champ 16 qu'on a. Donc celle-ci, on va la mettre aux abords du champ 16. Allez, vas-y. Bloque-toi dans les... Mais c'est pas possible. Faut pas raser les tours, hein, parce que sinon... Voilà, donc du coup, on va se mettre aux abords du champ 16.
Et après, je verrai si j'achète des champs ou pas. Alors, peut-être que j'achèterais bien le 18 pour avoir le champ 16 et 18, le champ 15 et le 17. Qu'est-ce qu'on a comme champ sinon? On a le 17 et le 16. Donc, j'achèterais bien le 15 et le 18 pour les avoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre. Alors, peut-être que celui-ci. Je vais demander une dérogation au voisin pour mettre ma remorque quelque part. Bah non, je vais être obligé de la mettre là. Donc on va la mettre là. Ah, ça va être limite. Alors, vu que c'est pas trop loin de la ferme, je vais faire une uniquement. La benne ira vider dans la moissonneuse et puis ira vider. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais préparer déjà. Ça, alors par contre, faut pas oublier de temps en temps d'aller activer celle-là parce que sinon ça marche pas comme on veut. Alors ici, direction la ferme principale. Donc c'est parti, on conduit. J'aurais dû faire sans la remorque d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Mais je vais pas pouvoir le faire. Normalement, il faut faire sans remorque. Pour tout simplement éviter, parce que là comme on fait des marches arrière dans les silos et tout, mais bon voilà. Ah mais non, en fait je peux directement faire avec le silo normal. Pourquoi je me tracasse à faire des marches arrière? J'ai plus de betterave ou quoi que ce soit, donc à savoir que j'ai enlevé le trafic de véhicules puisque sinon c'était pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement on va préparer la course du champ 16. Donc cette remorque va nous servir uniquement à ce que je vais louer tout de suite. Alors on va la louer juste après. Je vais juste refaire la course ici. Donc on part jusqu'au silo pour vider tout simplement le champ de colza qu'on a là. Donc il faut quand même rouler quand même un minimum comme il faut, mais bien comme il faut, hein, pas rouler à gauche. Allez, juste pour tourner de temps en temps. Voilà, tranquille. Donc ici, le maïs, il est mort, donc c'est pas grave. Je fais juste une petite manœuvre comme il faut ici. Et donc on passe directement au-dessus de ce silo-là, donc de ce... cet endroit là voilà. Donc là il ira se vider et nous on repart tout droit direction le champ, le début du champ, de là où on était sur le champ 16. Donc le transbordeur est en train de vider ce qui vient de ramasser de la machine, c'est son blé de la machine dans la remorque. Et nous, on continue. Donc, on finit la course. Ensuite, donc je fais ce qu'on appelle. J'achète, donc je loue la moissonneuse, une moissonneuse, une deuxième moissonneuse. Donc, je la louerai. Je l'achèterai pas. Donc, ici, on arrête la course. Et donc, ça sera. Du coup. Ben. Oh. Donc, de pro, il a pas voulu marquer. Ben champ 16. Et donc là ça sera la moissonneuse dessus la remorque. Donc je l'éteins pour le moment. Je mets le frein à main. On va donc au magasin. Alors magasin. Que je m'habitue avec les touches. Le magasin, magasin, magasin. Magasin, c'est où ça? Je sais plus quelle touche j'ai mis. Magasin, bouton 9, ok.
Donc c'est sur le panneau latéral, bien sûr, que je l'ai mis. Alors, soit on se prend... en fait, j'ai une moissonneuse qui est multifruit, et donc normalement, c'est celle-ci. Alors, il y a soit dual din, donc ça veut dire dual roue. Donc, double roue, jumelle, roue jumelée, roue, tous, une seule roue, ou en crawl. Donc on va se prendre celle-ci. Elle est multifruit. Par contre, je vais pas l'acheter, je vais peut-être la louer. En couleur rouge. Hein. On va la... Alors, je vais la prendre sur... pour l'instant, on va la prendre sur 2 jours. Si jamais j'ai pas assez, je prolongerai comme il faut. Du coup, il nous faut... Mais je crois que c'est pas bon. Là, quoi. Non, ça c'est pour la map, la machine du. De comment on appelle ça? De Fravel. Donc c'est pas ça. Alors du coup, ça sera celle-là. On va se prendre celle-ci. Donc on va louer. Pareil pour 2 jours. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tout simplement. Alors, j'ai pas envie d'aller à pied. Par contre, ce que je vais faire, c'est descendre de celui-ci. F11, donc on va se mettre là. Oh. Ah, hey. Alors là, ça va m'énerver. Parce que du coup, ça me fait chier, ça. Je peux pas le fermer. Ah si, là, tac, je l'ai eu. Alors du coup, la moissonneuse, elle est où? Elle est juste là, avec sa coupe. Donc on va aller à l'intérieur, on va désactiver les caméras, parce que sinon, ça va... Bah, le truc des caméras, ça va me faire chier sinon. J'enlève donc ça. Non, au contraire, c'était déjà désactivé. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour la prochaine fois, je ferai la course. On ne joue rien. Logiquement, il y a la tâche. Hein. Je l'ai acheté ou je l'ai... Ah non, mais... C'est parce qu'on n'a pas le... C'est quoi? Mais je l'ai acheté ou quoi là? Qu'est-ce que... Attendez, il y a un petit souci, je crois. Attends, je l'ai acheté. Ouais. Ouais, je l'ai acheté, mais c'est ça. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que de pas l'attacher. Je me disais aussi. C'était pas possible. Donc du coup, je vais faire... Oh. On va faire le tout. Et on va l'envoyer jusqu'au champ. Donc qu'on a besoin.
Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, tout simplement, de notre carrière. Donc, du coup, on va entamer demain pour tout simplement faire la moisson. Donc, du coup, pour la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je ferai la course. Donc, la génération de la course du champ 16, c'est le colza. Et puis pour la semaine prochaine, on commencera le champ 16 et on continuera donc de faire le champ 30 qui est assez grand. La classe. Alors, je sais pas si la classe est. Et comment on appelle ça, les multifruits. Donc, après, on verra. Peut-être qu'on s'achètera une gomme ça à la place de la classe. A savoir que celle-ci est multifruit. Donc, c'est-à-dire que si on a. Du multifruit sur la carte, je crois qu'on en a en plus, c'est ça le truc. Donc, du coup, je vais mettre. Alors, j'ai laissé les gyros, mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve cet après-midi pour, comme tous les vendredis après-midi, Farming 16 sur PS Vita. Donc, c'est parti. Donc, à tout de suite. Ben, à cet après-midi. Allez, ciao ciao. Donc, n'oubliez pas non plus les commentaires, de vous abonner et les petits pouces bleus qui font toujours plaisir. Allez, à tout à l'heure.